Hey, salut les runners, enfin la 30e. Franchement, il était temps. Alors, pour accompagner cette petite vidéo, je me suis servi un petit pucer. Je l'ai acquis il n'y a pas longtemps et franchement, il passe super bien. Je vous le recommande encore. Alors, avant d'attaquer le fond de cette petite vidéo qui m'intéresse particulièrement, je veux vous faire un petit bilan de ces 30 vidéos, enfin 29 puisque celle-ci passe actuellement. Un bilan assez intéressant. J'ai beaucoup appris sur les choses qui vous intéressent. Et puis, ça tombe bien parce que c'est à peu près les choses qui me plaisent le plus. Il y a eu quelques moments plutôt rigolos, quelques moments de tension. Pouf, c'est pas grave. De toute façon, je m'en fous. C'est ce qui m'intéresse, c'est de faire ce qui me plaît, de toute façon. Et puis, j'ai appris énormément sur le maniement de la vidéo. Alors, bien sûr, je vais beaucoup ralentir. Je vais m'atteler à faire une vidéo et un article par semaine prochainement. Je ne sais pas encore si je vais réussir à avoir quelque chose de régulier, c'est pas évident, mais on va essayer d'avoir quelque chose de régulier, peut-être essayer de faire un rendez-vous tout simplement. Je vais avoir 2 semaines de vacances, là, deux semaines de pause, ça va me faire beaucoup de bien. Il y a eu quelques concours donc pour obtenir quelques samples, ils sont là, hein, il y a les bouteilles, il y a quelques samples qui sont déjà préparés pour les rhums arrangés. Je n'ai pas encore fait le tirage, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps, vraiment pas eu le temps de faire ça, ni de me consacrer à faire l'envoi des enveloppes, donc je n'ai pas encore fait ça. Mais d'ici mon retour de vacances, je ferai le tirage et j'enverrai les samples. Alors, il y a également le petit jeu que je vous avais expliqué à ma toute première vidéo. Alors, j'ai décimé sur les 30 vidéos des petits indices. J'avais pas donné plus d'indices jusqu'ici, j'ai pas eu le temps de vraiment l'incorporer dans les vidéos. Mais pour cette dernière, je vous donne un indice un petit peu plus fort. Il est présent encore dans cette vidéo, l'élément à trouver. Mais là, vous avez un indice supplémentaire. Je pense que pour ceux qui connaissent, ça devrait être suffisant. Il y a donc 5 samples à gagner. Ce sont des samples sur une liste que je ferai choisir au gagnant, le rhum qui voudrait découvrir le plus. Que dire d'autre sur ce bilan de ces 30 jours? Pas mal de choses positives, beaucoup plus d'interactions avec vous, beaucoup plus de vues. J'ai eu pas mal de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube, et pas mal de personnes qui sont venues lire mes articles sur mon blog, beaucoup plus d'interactions sur les réseaux sociaux. C'était vraiment très interactif, très plaisant. Plusieurs sujets ont vraiment plu, donc je suis vraiment content là-dessus et je sais un petit peu plus ce que je vais aborder prochainement. Franchement, ça me plaît beaucoup là-dessus et j'ai hâte d'y être. Alors, ce carnaval d'articles, qu'est-ce que c'est? Alors, j'en avais déjà fait hein, il y a quelques temps. C'est tout simplement une proposition à pas forcément que des blogueurs hein, ou des vidéastes, mais à toute personne qui aurait envie d'y participer, de proposer un article à poster sur un blog si vous en avez un, sur une page Facebook, sur un groupe Facebook, tout simplement pour évoquer votre plaisir partager. Ce que je veux, c'est que vous expliquiez ce que vous aimez partager et ce qui vous fait plaisir de partager. Ma baseline, moi, ce que j'aime dire et que je dis à quasiment toutes mes vidéos, c'est un rhum partagé est un plaisir décuplé. Et c'est ça que je veux que vous exprimiez. Alors, pas forcément sur le rhum, bien sûr. Moi, c'est le rhum qui me passionne, donc c'est ça que je vous partage. Mais j'aimerais que vous me disiez ce que vous aimez partager, ce qui vous passionne, ce qui vous fait beaucoup de plaisir à partager avec des amis, avec des personnes que vous ne connaissez pas, avec parce que ça peut être du sport, ça peut être une activité récréative, ça peut être du travail, ça peut être du développement personnel, tout ce que vous voulez, du moment que vous avez du plaisir à le partager. Vous faites ainsi un article, toutes les règles sont en description. Et dans un mois, eh bien, je ferai un livre blanc. Je regrouperai tous les articles de ces personnes qui auront participé à ce carnaval et j'en ferai un livre blanc. Je contacterai toutes ces personnes, bien sûr. Je leur ferai parvenir un exemplaire de ce livre blanc qu'elles pourront également partager à toute leur communauté, à toutes les personnes qu'elles
qu'elles aiment et à qui elles veulent le faire partager. J'espère que ça vous fera plaisir, que ça vous fera découvrir des choses étonnantes. C'est ça que j'aimerais beaucoup, vous faire partager des choses étonnantes et vous faire découvrir peut-être des choses nouvelles et vous donner envie de les découvrir. Donc c'est parti maintenant, vous êtes libre de choisir le support que vous voulez et dans un mois, je ferai le livre blanc. Allez les roamers, comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine, je vous souhaite bien du plaisir avec un bon petit rhum. Tchuss les roamers!